Ouais, est-ce que tu peux nous raconter un peu la physionomie de ce match? Ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qu'on retient? C'est vrai que ça n'a pas été un match facile. Déjà dans les 5-10 premières minutes, enfin avant le but, c'était un peu compliqué dans le jeu. C'était un peu mitigé, des duels. Un peu compliqué, on va dire. Après le but, on s'est un peu facilité la tâche. Je pense que ça nous a fait du bien. Derrière, on arrive à marquer aussi un deuxième but qui libère, je pense, un peu tout le monde. Derrière, on s'est dit à la mi-temps que ça allait être un match compliqué jusqu'à la fin, donc il fallait savoir faire le dos rond et savoir combattre jusqu'à la fin du match pour garder le résultat. On en a parlé aussi dans le vestiaire et on a dit que peut-être que 2-3 mois avant, ce match, on l'aurait peut-être pas gagné. Aujourd'hui, on le fait et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de l'équipe. Je pense que l'équipe a passé aussi un cap. Ça se voit aussi sur le terrain, ça fait 3 matchs, 3 victoires. Donc il faut continuer comme ça. Là, on commence à ressortir la tête de l'eau et arriver dans les places où on a envie d'être. Donc il faut continuer. Tu es décisif depuis 2 matchs, but, passe-dé. Est-ce que tu peux nous raconter ce but déjà? Et qu'est-ce qui fait que ça y est, t'es en canne? Écoute, il y a CAF qui est sur le côté, qui revient sur son pied droit. Et moi, je fais un appel dans le dos du défenseur. Je suis tout seul, donc il me met un ballon, j'ai plus qu'à limite à la pousser au fond, donc un ballon parfait. C'est bien, ouais, forcément bien pour la confiance de marquer des buts ou d'en faire marquer. Mais voilà, comme j'ai dit, le plus important c'est de prendre 3 points et on comptera ça à la fin de la saison, les buts. Et le plus important c'est de continuer à gagner des matchs et de prendre les 3 points à chaque fois. Prochain match, Paris FC, comment on se projette? On va tout faire pour aller gagner là-bas. Hein. De toute façon, aujourd'hui, on sait qu'on a grillé beaucoup de joker et qu'il n'y a pas d'autre solution que de gagner les matchs. Il faut gagner le plus de matchs possible et continuer sur cette ligne.